à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. On va aujourd'hui, encore une fois, voir une micro-capsule. Vous le savez, j'en produis régulièrement. Ce sont des formats plus courts, mais beaucoup plus impactants, puisqu'en souvent, ce sont des démonstrations visuelles que je vais vous proposer. Et aujourd'hui, on va voir vraiment quelque chose d'incroyable que j'ai réalisé pendant plus de 2 ans. On va voir notamment comment notre eau alcaline ionisée est un puissant antioxydant. Et on va le voir via notamment une expérience que j'ai réalisée encore une fois. Et vous allez voir à quel point finalement on peut se dire que oui, boire une eau alcaline ionisée et antioxydante est une véritable nécessité aujourd'hui. Alors vous le savez, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit donc de le faire. Je peux simplement vous encourager à boire correctement une eau de qualité et surtout à comprendre que l'eau est un édifice majeur de votre santé. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Alors je vais vous proposer des visuels, on va regarder plusieurs choses ensemble. On va regarder donc une expérience que j'ai réalisée exactement le 23 janvier 2022. Donc vous voyez, ça fait un peu plus de 2 ans. Et en fin de compte, j'ai décidé de produire cette capsule parce que j'avais donc pris l'initiative de mettre donc dans différents bocaux, et c'est pour ça que vous allez voir sur des visuels, des bocaux avec dedans des clous. Parce que vous savez qu'on dit que notamment l'eau alcaline ionisée est une eau antioxydante, donc qui empêche la rouille. Et donc j'ai voulu simplement démontrer qu'il y avait une réalité visuelle, et notamment au niveau de ces clous, puisqu'on sait tous qu'un clou dans l'eau évidemment va rouiller. Et là, on va voir que finalement, j'ai disposé sur une table 4 bocaux avec de l'eau du robinet, de l'eau osmosée, une eau minérale en bouteille, en verre, que j'avais acheté. J'avais pris vraiment le soin d'acheter une eau de qualité, une eau, je crois, d'ailleurs, de la région du Jura, et bien sûr, mon eau alcaline ionisée. Et on va voir ce qui se passe, c'est que 25 mois plus tard, vous allez voir visuellement la différence et comprendre qu'effectivement, il y a bien une réalité physique dans le fait qu'on puisse aujourd'hui constater qu'effectivement, eh bien, l'eau alcaline ionisée nous fait rouiller beaucoup moins vite que par exemple l'eau osmosée, que par exemple l'eau du robinet, également l'eau en bouteille. Ce que j'ai mené donc, il y a bientôt 2 ans. Vous voyez, je vais vous repasser la photo que j'avais prise donc le 23. Vous voyez, c'est marqué janvier 2022 ici. Avec de l'eau du robinet, de l'eau osmosée, une eau minérale et l'eau Kangen. Je vous laisse regarder. Ça fait presque 2 ans. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 22 février. Donc, nous sommes pratiquement à plus de 2 ans et 1 mois. Je vous laisse juste regarder. C'est ahurissant. Vous voyez, vraiment, je vous montre. Et sachez que l'eau, bien sûr, évidemment, en 2 ans, elle a forcément bougé. Je vais juste vous faire remarquer quelque chose. On a la rouille, mais regardez, l'eau, elle est complètement translucide ici. On a effectivement de la rouille, bien évidemment, parce que ça fait 2 ans et la rouille, forcément, elle existe. On voit qu'elle est au fond. Mais là, je vous laisse juste regarder la couleur. Vous voyez simplement ici, sur de l'eau minérale. Là, sur de l'eau osmosée, c'est pareil. On a un gros, gros dépôt au fond. Et puis surtout, vous voyez, ici sur les vitres, majoritairement, beaucoup, beaucoup de rouille. Et ici, de l'eau du robinet, évidemment, pareil. Vous voyez, un niveau de rouille très important. On a bien la preuve ici qu'effectivement, on a un très, très puissant antioxydant dans l'eau alcaline ionisée. Et je voulais vraiment partager avec vous cette information qui est vraiment là, vraiment dans du concret. On est en train de tester ce qu'on parle, c'est-à-dire quand on parle d'une eau antioxydante. Et bien, voyez, vous en avez la preuve ici avec cette bouteille. Au bout de 25 mois, finalement, à quoi ressemble mon eau. Et ce que je voudrais vous montrer tout de suite, et ce qui est extrêmement frappant, vous allez regarder l'eau du robinet. Je crois que dans l'ordre, c'est effectivement l'eau du robinet, l'eau osmosée et l'eau en bouteille. Bien, regardez simplement le verre, à quel point il a été taché par l'oxydation. Et comparativement, regardez à droite mon eau alcaline ionisée pour lequel le verre est excessivement transparent. Il n'y a aucun dépôt de rouille sur le verre. Et regardez la quantité très importante qu'il y a particulièrement dans l'eau osmosée qui, pour beaucoup de gens, serait une eau de qualité. Bien, je vous laisse regarder à quel point elle est oxydante. Et ça, on le sait malheureusement tous que l'eau osmosée est une eau, bien sûr, qui oxyde. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est également la quantité, vous voyez, cette rouille qui s'est déposée pendant 25 mois au fond de ces bocaux. Mais regardez, elle est à peu près identique partout. Mais ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que vous voyez, visuellement, on a malgré tout dans notre alcaline ionisée des clous qui sont rouillés, mais un environnement qui est extrêmement propre. Donc, on voit que la rouille, effectivement, c'est beaucoup moins attaqué dans cette eau alcaline ionisée que dans une eau osmosée, une eau en bouteille ou une eau du robinet. Donc la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que vous allez continuer à boire ces eaux qui vous oxydent, qui vous abîment sur le plan cellulaire, hein. Sachez que
L'oxydation, c'est quoi? C'est un excès de radicaux libres qui sont finalement ces électrons qui sont malheureusement, qui ont une charge qui va voler la charge d'autres électrons et donc faire en sorte que notamment on voit une dégradation sur le plan cellulaire. Donc c'est ni plus ni moins un témoin de l'usure de vos cellules, de l'oxydation de vos cellules. Vous savez, quand une personne âgée vous dit « je me sens tout rouillé », eh bien il y a une réalité qui est celle de l'oxydation cellulaire. Et un autre aspect intéressant de l'oxydation, c'est évidemment notre peau, puisque sachez qu'on peut au travers, je pense, d'une walk-in ionisée, se rendre compte que notre âge biologique n'est absolument pas celui de notre âge chronologique. Pourquoi? Parce que, on le sait, quelque chose qui est antioxydant, en l'occurrence une alcaline ionisée antioxydante, peut être d'une certaine manière considérée comme une eau anti-âge. Je réalise régulièrement ces capsules très visuelles. Et si nous ne comprenons pas d'une manière visuelle de quelle manière une eau impacte notre santé, bien malheureusement, nous ne prenons pas suffisamment conscience de l'importance de boire justement une eau qui est antioxydante. Donc on vient de voir de manière très pragmatique au travers de ce test que j'ai réalisé en 25 mois. Donc sachez que, j'ai oublié de vous le dire, mais ces sachets ont été fermés hermétiquement. Bien sûr, il y avait un peu d'air dedans, mais en tout cas, ils ont été fermés hermétiquement. Je ne les ai pas ouverts pendant 25 mois. Et vous avez la preuve devant vous qu'on a bien ici une eau réellement anti-âge et antioxydante. Alors vous le savez, l'eau alcaline ionisée, bien sûr, elle a deux autres propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va enlever l'excès d'acidité de votre corps et également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, on vient de le voir à quel point c'est crucial. On vient de voir visuellement avec ses clous. C'est une eau qui va empêcher cette oxydation excessive que vous pouvez avoir sur le plan cellulaire. Et la troisième, c'est une eau microstructurée, hyper hydratante, qui va vraiment amener votre corps à recevoir cette abondance d'énergie, cette abondance d'électrons et surtout le fait de pouvoir nettoyer vos cellules de manière extrêmement efficace. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous.